Marianne Blanche. Bonjour, je m'appelle Joséphine. Loin, ton loin, ton. C'est un challenge, ça te permettra soit d'accéder cette année-là à l'équipe internationale, mais ça te permettra aussi de comprendre quelles sont tes lacunes, sur quoi tu dois travailler. Ça te permet de comprendre si tu as envie de faire partie d'équipe internationale. Donc vraiment, il faut y aller à 200%. C'est que du kiff, tu ressors de ton week-end en ayant appris plein de choses et en ayant rencontré des gens. Tous les matchs sont hyper importants. Enfin, moi, j'arrive sur le terrain, je suis hyper stressée, peu importe le match. Même si on est d'autant plus stressé quand on joue un match qui a vraiment de l'importance, qui est par exemple une demi-finale ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je m'étais pas vraiment rendu compte que je représentais la France avant qu'on me le dise en plein milieu de la compète. C'est Merlin qui était dans mon équipe qui m'a dit « mais tu sais que là on représente la France ». Et sur le coup ça m'a fait paniquer, je me suis dit « c'est vrai qu'on représente la France ». C'est vrai que, enfin, je le savais, mais ça m'était pas vraiment, ça m'avait pas sauté aux yeux de me dire « on représente la France, c'est vraiment incroyable ». Et du coup, une fois que j'en ai pris conscience, c'est vraiment, ça te met une pression supplémentaire. En même temps, t'es tellement fier de représenter ton pays dans un sport que t'adores en fait, que c'est génial. On apprend à connaître les gens de son équipe, on crée des liens super forts. Et même au niveau du jeu, enfin, on progresse tellement. En 3 jours de compétition, on progresse plus qu'en 1 an d'entraînement. Enfin, on se donne à fond et on fait des stages, on fait des compétitions. Donc rien que pour ça, bah, c'est une évolution permanente. On fait beaucoup, beaucoup plus de tâches que si on en faisait en club. Donc ça nous permet d'évoluer sur une année d'une manière très rapide. Et puis après, on se retrouve face à des personnes étrangères, quoi. Donc ça, c'est super chouette l'idée de dire « Ok, là, en fait, j'ai joué contre un autre pays. » Ça, c'est super intéressant. Tout d'abord, il faut être sûr d'en avoir les capacités. Moi, ce que je conseille, c'est déjà en parler à son coach de son club pour voir ce que lui en pense. Franchement, c'est accessible à plein de personnes. Il faut vraiment y aller en se disant qu'on peut y arriver. Et il ne faut pas être impressionné par les personnes qui sont là depuis plusieurs années. On peut faire mieux, on peut être plus rapide, on peut avoir des techniques qui nous valoriseraient en fonction des postes requis, en fonction de plein de choses. La seule chose que je recommande, c'est vraiment avoir les bases, bien maîtriser toutes les bases du touch et pas arriver à découvrir de nouvelles choses pour pouvoir se faire plaisir, pour pouvoir se permettre d'y aller. J'ai un conseil à donner pour se sentir à l'aise et pour se projeter un peu plus, c'est de regarder des matchs de compétition, que ce soit des matchs avec les Français, des équipes françaises, ou même des matchs de Néo-Zélandais ou d'Australiens sur des super niveaux, pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait attendre de toi si toi tu vas t'inscrire aux sélections. C'est vraiment pour se donner à fond dans une détection et la réussite, il faut déjà venir préparer, c'est-à-dire que physiquement, il faut s'être un minimum préparé. Il faut surtout se donner à fond pour éviter d'avoir des regrets, quoi. Aucun regret d'avoir fait tout ce parcours, les détections, les différents tournois internationaux. C'est que du plaisir. Si je devais le refaire, je le referais. Et je le conseille à tout le monde de le faire et d'essayer en tout cas ce genre d'expérience. Ouais, moi, je pense que je le refais pour l'expérience déjà de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des liens avec ces personnes-là, de jouer contre des équipes étrangères, de faire une compétition. Enfin, c'est une adrénaline de dingue et c'est des moments que tu vis vraiment que dans le sport et dans la compétition. Et ouais, pour la progression, je veux dire, tu progresses tellement en faisant une compétition internationale ou même en faisant juste les détections qu'au final, c'est un truc que je referai mais tous les jours si on me proposait de le refaire. Quoi.